Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission « Qu'en pensez-vous ? » Je reçois une fois de plus dans votre émission aujourd'hui Gustave Lutumba, qui est un cadre de l'UDPS, puisqu'il est secrétaire national de l'UDPS. Alors, avec lui, nous allons parler dossier Ebélé, affaire Mukuna, Vital Kamerhe, base Bilanga, puisque Mikolo Yangouni Mtuzo, ça la rage dans l'UDPS. Autaki qu'on suspende, qu'on signe la démission à Kaboun, tu évites ce qui est Kaboun, est-ce qu'il y a vraiment CG? Na base, on signe la démission à CG. Aïe, des pèses démocratie, les gilings. Alors, tout le monde, ma cambo est belé, nan de conabiso, nambo canabiso, de Gustave, mbote. Oui, mbote, mon amboka, mbote na baignon sur Bazali, colandabiso, bisikanion sur Obino Bozali, tu évites que Bino tu bossi au bonami, na Katia Edem TV, pour la colanda émission, ou écopé sa maman. Tout ça, la surprise est bien, tout bon, mais bino, trop loba. Parce que tout le monde a déjà que loba, et puis, ce qui est la dictature, tout loba, et bon, le haut, tout zali, n'amboka, fati béton, ou démocratie, n'état des droits, et fandi, n'en dégé mon co, y a vos saranate, tout loba, parce que ce qui est l'obité, m'en va plein, bah, congolais, moussousou, bah, c'est un râteau, le baram, bah, les belles, et surtout derrière, tout le monde, bah, pour l'inga, bah, information. Merci. Dossier à Liboso, libération, acquittement, il y a évêque Mukuna. Politique et Kotinakati, droit et limoué, état de droit, coterie, bino na bino, caméra bokangi. Je me demande réellement ce que veut le Congolais. Je me demande réellement ce que veulent les Congolais. Parce que Congolais, il y a un tant qu'individu, il y a un peu Congolais, dans l'ensemble, il y a un peu de temps. Tant qu'évêque Mukuna a Kangamaki, qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit? Tout le monde a dit qu'évêque Mukuna a Kangamika Rapas, qui a reporté plainte contre Joseph Kabila, yango bakangiye, écoute nenga zabonga zane na problème te, Fati vraiment zo dirige te, c'est Kabila qui dirige, yango na bakanga ki évêque Pascal Mukuna. Et lelo obiso tout ebi que dossier ne zalara monte, parce que ngai, j'étais ensemble avec certains amis, na boko tanga kombo pas sensé en tanga bakombo na omingi ya peu perdé, to sala kana bango émission na chaîne moko awa na kati ya Kinshasa. Tant que tu sais l'émission un débat aussi ici, il y avait aussi un confrère qui était là, je cite son nom, Maître Bazin. Tant que tu sais le débat, tu sois papa ici ici, tu sais ça c'est aussi sur un plateau, tu kindaka, moi ma solo, tu en dois être parce qu'on n'est pas quand même ennemi. Et tant que tu en dois être ma solo, ce que avec Mukuna n'est pas porté plainte, banine banine. Na katia bande quoi non, il y a peu perdu. Ils ont confirmé que bako mené avec Mukuna vie dure. Pourquoi? Parce que azala kana bango loko la trahir bango. Bango bakoumene bidu. Et nena katuana, il y a un ami qui avait lâché en disant que des jours passés, baye bisibiso avec les images à l'appui, que bamonaki Claude Machala, bamonaki un monsieur là, namona moi suana chibolo bandai pour se voir, puis ça n'a pas planification, comment est-ce que baye pour ça là, pour n'a pas déstabiliser avec Mukuna. Et les deux jours après, nde baye pour inviter avec Mukuna na justice. Deux jours après, c'est-à-dire quatre jours après, tu es comme on a une image ou une photo qui est circulée dans les réseaux sociaux. Mais le lot est avec Mukuna Kendai Kosamba. Tout le monde qui a témoigné, tant qu'ils avaient très bien témoigné. Dans le même ordre, on a témoigné. Et tant que témoigné, c'est ça qui a témoigné. Nous avons été tous d'accord que l'évêque Mukuna n'avait pas de problème dans Katia Makambouana. Mais ce qui a été tribunal, il y a un tribunal. Tant qu'on dit qu'on s'ambisa, et comment qu'il y a un moment, va prendre affaire en délibéré. Le bureau, le président juge devrait se consulter avec ma membre naïe, il y a équipe, ou basali qui composé bureau na bangoana, et comment qu'il quitte quitte bas comment il kubendana. Juge, à comment qu'il na vie mususu, bande quoi na mususu va aller na vie mususu, et où mérite période où il faudra qu'il va y ben courant de jugement. Et les qui, bah ça là qui en côté, bah tu vois qui déjà que non, il y avait à boire et à manger là-dedans. Il y avait des influences. C'est ce qui avait poussé maintenant na bah avocat. Oh yo, il y a nani, il y a bah avocat, il y a nani, il y a Mukuna. Avec Mukuna, oui. Bah c'est nga, nini procès na bah on tope dossier na bah on go. Et l'on wana maboko, il y a juge wana,
et que na maboko ya juge mususu et ba memi ngone maboko ya juge mususu. Vous avez vu vous-même que la femme là ce n'est pas une fille, la femme là avait des difficultés. Il y a qu'oyé banako répondre les dossiers comme ça était parce que c'est quelque chose où ezala qui maligancé et nansuka ya masolo cour d'appel est trouvé quand même que évêque Mukuna son dossier était vide. Évêque Mukuna n'avait rien à foutre na kata makambwana, c'était juste une conspiration et comme grave encore un fait grave nous na mosi wana lokola mesana kana ko enregistrer ko mosala ba montage. Elle a fait encore la même chose, c'est ainsi qu'elle avait été aussi sanctionnée par la justice. Donc lelo oyo kobima ya évêque Mukuna ezali kotala sa biso réellement que son équipe il y a un avocat, son conseil est tenir très bien jusqu'à la fin. Ils ont demandé un conseil à Batumuso parce que bon, on a un esprit politique. Mais avocat, oh yo, il y a évêque Mukuna, il y a un esprit moko, je dirais judiciaire. Balobitoye, en face de nous, il y a un dossier judiciaire qui est là. Nous devons faire preuve, il y a ma qualité. Je dirais juridique, na biso ba qualité de droit auto sana yango to brandir yango to éclairer religion ya tribunal, religion ya cour d'appel. Et aujourd'hui ils en ont trouvé gain de cause. Voilà, donc to longola esprit à qui tribalisme o ba balinga ba latisa wana. Non, ce qui est vrai, nous tous nous avions crié au départ ya dossier wana que évêque Mukuna n'était qu'un innocent, c'était un seul coup, un sale coup monté. Mais les autres qui a vu acquittement. Le col a ça cassé photo parce que nous avons la connotation tribale. Non. Le logo qui a outi ko gagné ngoika sange. Qu'est-ce que nous allons dire? Mokia c'est un gars là, il a gagné, il a remporté son dossier devant ngoika sange qui est un kassayen et pas n'importe quel kassayen, un kassayen oyo azala ki gouverneur. Yambushimai. Oh wa ndako wa critique rabino ben yango wana bo tiki akwe ya rabola ki sai ke bi nimtu wana pouvoir. Non, écoutez, ce n'est pas parce que a critique ka. Non, ça c'est un faux débat. Vous comprenez un peu? C'est un faux débat. Dossier wana yango ika sanjina mokia e banda avant fatia comme président de la République. Toni to lo bandenge ni. Donc les lo oyo ce qui est au sépelité, na mutio ba kangi wana il faut le baraque non parce que azana un contre chef de l'État. Non, c'est faux et archi faux. Dossier ya mon qui a banda kala. Ba si ba randa ka jugement et il avait gagné. C'est ce qui avait coûté même menace na vie ya ancien ministre ya affaires foncières Ezali Monamboka Emmanuel Ilunga Ngoy. Il avait été menacé parce que il était prêt ya ko pesa biloko nyonso et pas ya quoi et pas nani ya Mokia Gabriel Mokia mais avec cause là on ba menace. Voilà ce que moi je peux dire. C'est compliqué. Alors aujourd'hui Vital Kamerhe azo bela na kati ya Nganda. Bo empoisonné était par hasard. Té ko lobate ke bo empoisonné. Non. Vital Kamerhe azo bela ndé ka ba nyonso ba bela ka. Vous savez, quand vous dites que vous empoisonnez, vous voulez amener l'opinion nationale et internationale à croire comme si il y a un problème particulier entre le pouvoir et Vital Kamerhe, entre l'UDPS et Vital Kamerhe. Non, puisque vous m'attaquez, moi qui suis un cadre aussi de l'UDPS. Il n'y a jamais eu un problème entre l'UDPS et l'UNC. Il n'y a jamais eu un problème entre le président Fatty et Vital Kamerhe. Vous serez d'accord avec moi quand le président Félix Antoine Tshisekedi avait parlé de la rétro-commission. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Oh non, le président voulait juste protéger, sécuriser, directeur, il y a cabinet naïe, voilà. Non, le président ne veut pas assez que bah, il y a un dossier, il y a un bon gébélé, il y a un dossier, il y a 100 jours. Il y a un dossier, il y a un marché, il y a catholique, il y a un marché, mouvement sous citoyen, il marché. Pona ko lobaka ke no balande la dossier wana. Mais ce qui le balande le dossier wana. Est-ce qu'il faut ko lobaka no yayi un acharnement? Non, Vital Kamerhe avait tout le temps au travers ba conseiller naye, donc au travers son conseil plutôt, ya ba avocat, il avait tout le temps ya kobimisa ba vérité. Dès le départ, oui, je vous dis, dès le départ, Vital Kamerhe voulait amener l'infraction à sa logique. Or l'infraction telle que définie n'a pas de logique individuelle, mais n'a que des logiques, le terme est là, mais
m'échappe, n'a que l'infraction, n'a que sa logique fondamentale. Voilà. Sa logique fondamentale, ça dit quoi? Il y a les éléments qui font en sorte que cette infraction soit appelée détournement. De la même manière qu'il y a les éléments qui attestent réellement qu'il y a eu l'infraction, il y a viol. Il y a eu l'infraction, il y a crime, plutôt il y a vol en main armée. Vous comprenez? Donc, ce qui peut trouver, moi, ben, les éléments, si on a bien l'infraction, il y a. Maintenant, quant à ce qui concerne l'infraction à détournement, balobi kakate que il faut montrer à détourner ba kuta biloko na kana maboko na non, ça peut être tout un groupe, ça peut être, je dirais, toute une équipe, ça peut être toute une chaîne. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi. Tant bande ko sala makambo biso to sala kité mais lolo Jamal a komi ko la ndenge ko ba keno na mbongo nyonso ebima plus ou moins 60 millions, lui n'a touché que 3%. Donc si vous pouvez ramener les 3% là na 2 millions de dollars. Et où sont passés le 58 millions ou les 57 millions de dollars? Et ça, c'est Jamal qui l'a dit. Vous êtes vraiment sûr que le dossier caméra est politique? Le dossier caméra n'est pas politique. Mais on parle qu'il est vide. Non, le dossier n'est pas vide. Le dossier n'est pas vide. Comment voulez-vous nous faire croire que le dossier est vide? Parce qu'il y a déjà certains éléments. Écoutez, tant qu'il y a une forme, il y a infraction. Tu vas nous rassembler des éléments. Vital Kamerhe avait déjà les intentions, il y a détournement. Un. Vital Kamerhe, il y avait toute une coordination où il fallait qu'il ait supervisé les travaux, il écoute anaka, où il fallait pas ça va marcher. C'est Vital Kamerhe, Justin Kamerhe, Nande Komoko, il y a UNIC, Bazalaka, Misato, Bandai, Kokuta, Naba, Djamal. Si n'est pas caboli va marcher, bah selon lui il y avait déjà un problème au départ. Et sur autant il y a des chaînes où il y a des exonérations. N'abato tout bas qui n'a qu'à sa commission, n'abat nani au Vital Kamerhe a utilisé. Il a utilisé seulement ses proches où il y a ça n'abat on a bonne relation. Tant que Bakay reçoit 1 million de dollars, on a 1 million 300 millions de dollars, 1 million 300 000 dollars au Bakenda qui kozoana, au Eleke là qui n'amaboko il y a trésorier, il y a la présence de la République. Aye n'amo la présence de la République. Kamerhe Lobinine. Vana na mwana na lotinda ministre o nani ministre o nani o Tumba Tumba John Tumba na lotinda ya kozwango John Tumba eti na la présidence azu le messiana ba koti na ka ba kendo akabwela mbongo wana libanda ya masolo libanda ya la présidence. Donc il y avait déjà les intentions, mais ce que moi je reconnais aujourd'hui, les gens doivent savoir que Vital Kamerhe voulait nous amener à lui dire ouvertement dans cette affaire là lui a détourné combien. Cela ne relève pas de notre compétence ni de la compétence de la justice. La justice a constaté le fait et l'infraction et le détournement au Esalamaki collectivement. Et bango moko na kati ndeba yebi ndenge Jamal akomi ko bimisa lelo, bango moko na kati ndeba yebi Vital azwaki combien, Amida azwaki combien, Shangaloume azwaki combien et les autres là avaient touché combien. Bon, aujourd'hui prière pezali nzamba rusungaka hein, puisque prière ezali basali prière babonde nzambe le sambo échanger le côté et pas ya ya avec Pascal Mukuna. Donc basali prière côté mais nzamba yokele on a mungongo ya Pascal avec Mukuna parce que de l'autre côté il y avait plein de péchés. Au même temps ça là va mentir les lots. Oui. La justice élève une nation. La corruption corrompt tout. Voilà, je dois signaler que nous sommes là déjà en direct. Hein. Il y a chaîne Abisso Edem TV. Nous sommes là en train de présenter l'émission. Voilà, merci, vas-y. Donc, voyez un peu donc, ce que je peux dire là. La corruption corrompt tout. La corruption, j'aimerais vous le dire, rend même l'environnement, je dirais, malsain. Ouais. Et ouais. Si aujourd'hui, tu n'as pas eu ton esprit Oyo et Koba, Congo, le loin, il y a bien un Congo. Le Congo, il y en a là, rebellé, mon frère. Au moins, tu peux être sur la exonération. Et puis, il y a un CPL parce que IGF a un calamité dans la banque. A un banda codité, banda 2018, si le loin. Codité, la banque. Oui, la banque a bandit, on a baissé, c'est banque centrale. Ok. A un banda kuna. Donc, il faut pas y aller, mais bon, on y a ce salaire. Il faut toi y aller. Il y a de l'argent dans le monde. Joseph Kabila, dans le système, il y a un commissaire, il y a un bon, le col, il y a un bon. Il y a un peu de salaire à l'époque, il y a un bout.
Donc, vous voulez nous dire que Joseph Kabila, il y a certains ministres qui ont été locataires. Et si on a un peu de la table, le ministre, il y a des pèses, il y a un mot qui nous a dit. Donc, au bima, après, on a mis 40 dollars après que vous êtes transporté, on a mis sous pésaté. Là, il est exaté. Mais il n'y a pas qu'on est à la bonne côté. Et là, il y a un mot qui est à la bonne côté. Il y a un ministre, il y a Joseph Kabila. Il y a un banque centrale. Il y a des banques là. Oyo, bah Joseph Kabila n'a pas tout n'a pas on avait équipe non basa bah actionnaire. Ils allaient interdire tout le actionnaire là-bas. Ils allaient belé. N'importe mon arati le oyo, bah magasin belo zomo na bah entreprise et belo mona awa bah actionnaire principal nango. Ils allaient bah tout régime Joseph Kabila. Bah Moussou basa la bah entreprise on a bah l'ouvre la bah combo na moi bah tu vas combo bah mindele à l'okuta. Il y a comment sur le oyo tobi que non tobi nga bah mindele belé bah mufo bah mindele mufo bah vrai mindele t. Donc tout bien là-bas, mindele nous sommes basalés par mon faux, basalés, oh basalés, n'a pas kamoko litigé, n'a qu'à tambour en abysso, au moins n'a pas toi FCC, belé par collé là et belé par nous les canaux télévision. Pourquoi? Parce que Babylon qu'on a aisé, bango yango mon anka, à chaque fois, Tolingi, tout le peuple congolais lia bien, bango loko la balingraté, le président Fati, à Kende Liboso, bah bouger, bah circuit, n'a bango, bah opérateur économique, n'a bango, bah mettre un peu pour renverser la vapeur na terrain, et au moni, bilo kotam sur le kitaki, le biblo que Sanini et Mati, mais calamité, t'as aussi dit ça, Bouzo Bawana. Bouzo Bez aussi là, tout le bas, l'icambo, très important, et Adolphe Mouzit. Alors, bien investisseur, bah koya, tepi bazo, zala, tepi bazo, mon bah koya, pété, pourquoi? Puisque. Gouvernance c'est ma B et surtout que légitimité et pouvoir nabino ils osent aller ailleurs. Dites-nous un peu aujourd'hui par rapport à un message d'Adolphe Mouzitouana, comment vous avez digéré ça? Vous en êtes singo à B type de vous êtes loco hein? Ne parlez pas de ces dettes là. Donc il y a logique qu'il y a lobby que ben investisseur ba ko yaté parce que il n'y a pas la légitimité, il n'y a pas la bonne gouvernance ben investisseur ba ko yaté. Ye ayé bisabiso pendant que il y a dirigeant Kimboka au comme premier ministre. Quels sont les investisseurs oyé la kibiso na katamboko et quelles sont les entreprises o bango ba tchaki sur terrain oyo eboti ba misala et pas ba paisible la citoyen. Rien du tout. Vous comprenez? Et l'autre chose, c'est la haine. Et ils sont déjà surpris. Tant que nous, les investisseurs ne vont pas venir. Ben, investisseurs allemands, oh, bah, yeah, oh. Les Allemands qui sont venus. Avec, je dirais, un fonds de 50 milliards de dollars. Oh, bah, pour nous investir dans différents domaines. Qu'on peut s'amuser là, dans les Congolais. Il y a un bango. Et tant que le chef de l'État a aussi inauguré nouveau central électrique, hein, où il y a un panneau solaire, où il y a un peu de lumière, il y a Congo, et qu'on peut saper la lumière rebelle parce que le courant PP sera bon, il y a un Yamboka. Il y a beaucoup de choses où ils allaient pour ça. Mais investisseurs au Tubayaki, Basolo Laki, nous avons un secteur naïe. Et puis investisseurs rebelles, il y a un secteur minier. De money va profiter va tout à ma bien on a baqué comme multiplier va groupe rebelle avant va groupe armé pour n'a créer instabilité dans est mais tout ce qui savent go calamité ben instabilité on est ça nini et aussi là tout yebi bango déjà bilo tout va ça très bien en cala va préparer les gens boka au pour n'a boko et la libulu mais avec le fati nanzambe au tout ça naé makabro sima na kata mboka na biso ben investisseur va jouer et belé à gogo yé muzitu incapable de donner même le travail na bandeko o bazali na bandu ndukuna incapable et na bato ba betele maboko. Moi je me demande est-ce que ces gens là raisonnent vraiment, ces gens là raisonnent mouzi to abimi ake na poto kuna alié ba biloko na etiti ba bénéficier ba ona ba Martin Paulo ba bénéficier ba 1200 dollars pour nous trouver que non ce sont des gens qui souffrent ta la ta chaussure o Martin Paulo aye ki na ngata mbona ngwana ta la chaussure. Chaussure na bitala chaussure à tamboline na bitala chaussure mais vous voyez la misère.
La misère. Non, mais il faut le dire. Non, mais oui. Azan a un homme qui a un homme qui a un travailleur qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui n'arrive pas à payer ses travailleurs. Et les gens là, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Le président Fati, il est en train de faire quelque chose qui, à petit pas, il doit surprendre le peuple congolais. Vous êtes d'accord avec nga tant que vous êtes sur la boucan à l'onzo, il n'y a pas de longo à l'éli. Azot tout dans la ministre de l'Agriculture. Mais avec cet espace, avec tous les engins que je vois ici, au baby ça, avec, je dirais, le matériel que j'ai trouvé ici, qu'est-ce qui leur manquait, ces gens-là, il y a qu'on nourrit le peuple congolais. Le ministre a répondu, le ministre de l'Agriculture, ah oui, il leur manquait seulement l'amour du pays. Ouais. Donc, quand on a dit, Touana, Bafayou, ils n'ont pas l'amour du pays. Et si on a une déclaration, on a une déclaration d'à côté. Et Beta Libanda, et Beta Libanda. Le président Fatih, même quand il a dit que le budget est réduit de 11 milliards à 3 milliards 500, c'est un faux. C'est un menteur, Mouzitou. C'est un menteur. C'est un menteur. Un vrai menteur aujourd'hui. N'a pas de difficulté, oh, il y a Covid-19 et côté le monde entier. Dans chaque pays, ça a bousculé quand même le budget. Parce qu'on était dans l'obligation. Il y a qu'on freine, tuyo moussous et qu'on ramène mboko na katamboka. Tu vas comprendre, quand on va mettre à Kali solo à budget. Quand on va mettre à Kali solo à budget, on va mettre à Mbongo na poche na ya pesi. Non. Budget et Zalaka, ressources mobilisatrices. Nous avons des régies financières. On y fait quoi, c'est la biso Mbongo. Maintenant, on fait des calculs. Naba matière, on biso tosa na yango. Dans ma stratégie, je dirais, fiscale, on doit mettre sur terrain, et qu'on cotise la bise au monde, on accepte, on cotise la bise peut-être 1 milliard de dollars. On accepte, on cotise la bise peut-être 3 milliards de dollars. On accepte, on cotise la bise peut-être 10 milliards de dollars. Alors, ma bêtise qu'on calcule, on dit que non, non, pendant les 5 ans, Oyo, mon cannabis, il faut vivre dans le budget, mon co peut-être, le co la mandat n'a pas. Un budget à 11 milliards de dollars. Les 11 milliards de dollars là, c'est pour les 5 ans. Alors, le 5 ans, on reçoit les 5 milliards de dollars divisé par 5 et puis c'est une possibilité à quoi chaque année, peuple congolais a quoi vivre na mbongo, il y a combien ou bien budget annuel, il y a combien. Maintenant, tant que le coronavirus est empêché. Activité commerciale et belé et salamant. Activité génératrice yaba finance. Tope ya mbongo et salamana kati kaka ya kongote. Mais na libanda mobimba et yeko perturbe. Nde yeko sala ke au lieu to oumela na budget o to sala ki na yango mbala moko. Ya 11 milliards de dollars to binon. Tu vois qu'on parti n'ango d'abord pour na moins haut tout ça n'ango topé année haut tout parti na budget y a le lingé boué tout évolue n'ango voilà au biso tout roki au sala. Très bien pour na biso tout les camions na biso ya souka na émission au Isali y a que il dépense aujourd'hui bah comme il faut confondre gestion ya mboka na le lingé ni ne bah base y dépense bah comme il faut chaba loi na terrain na bah frontière ni tout frontière kasumbale ça tout qui base bilanga kuna. Et les autres, la loi, Francine Muyumba, sénatrice, a lobby koutou qui dépêche à mettre la différence entre l'état de droit na parti unique. C'est un peu compliqué. Basse bilanga et tombo killer, Augustin Kabouya CG, Ayokil Kambouana, a lobby qui a yébi batouanate, bangope à leur tour. Basali maman la déclaration, basengi démission à CG, et en plus, basana posaba samba na CG. Olobinin. D'abord, je donne, je félicite d'abord les courage y a ba congolais parce que va comprendre que il faut un mot qu'au fond la mise sous c'est bon monisca et simbate boloba. Mais là où je ne suis pas d'accord avec nos amis là, ils ont na babilo ko bango ba kogai ko sala te nde bango basali. Oh bango ba kogai ko sala nde yango basali te. Oye bango bakoka iko sala ezalani ezaki ndenge bazalani komona ke il y avait le fuite des capitaux nakati ya circuit wana il y avait je dirais ba corruption ba fraude oye bandai ko sala mana circuit wana ya kasumbale ça il fallait ki bazwa rapport wana ba déposer ngona ba autorité compétente. Maintenant
Ce va déposer en autorité compétente, c'est-à-dire l'État. L'État a un service na ye. Oyo ekokai kolandela batuana nyonso pona koyeba ndenge nini bango bazali kotrakase, ndenge bango bazali koyiba bambongo ya l'État oyo esengelaki eya na trésor public. Mais si kanga na moni bango mabe ezali nini, bango balingi ba se faire justice bango moko nde si kanga na moni mabe bakokai ko procéder na méthode wana te. Et puis de deux, ils ne pouvaient jamais engager l'UDPS pendant qu'ils n'ont jamais été mandatés par l'UDPS. Moi, je parle en tant que cadre de l'UDPS, vous comprenez? J'ai réagi, mais j'aimerais vous le dire. Je n'ai pas reçu mandat officiel, Yakoyana Yakoloba, mais je parle en respectant Balin Yaparti en tant que chargé, d'OPS chef à département, il y a sensibilisation, recrutement et conscientisation. En tant que Moko Yaba membre, il y a cellule, il y a communication à l'UDPS, j'ai rétorque. Vous comprenez? Et je retourne la logique ya makamune ni ezali ko salamela. Mais na ko ko kende ko katena engagé officiellement topé juridiquement l'UDPS n'est-ce au l'UDPS atindinga été. Est-ce que bande kwana bazala ki na mandat? Est-ce que bande kwana bana décision ezali ko reconnaître bango pouvoir ono bango bazali ko exécuter? Ngana MC bango ba chamai na kati ya vino na bango, batika le secrétaire général Augustin Kabuya afanda kimia, soki bango ba comprendre ayel lelote na ndenga lobeli. Ba Makisa, accent politique malamu, ba comprendre pourquoi il a tenu ce langage-là. Francine Muyumba a taclé malamu kobino. Francine Muyumba aza na ba leçon a coupé sa bisote parce que tu es bien na kati ya mboka. Francine Muyumba, il fallait soki Muyumba, soki Muyambo, il fallait afanda ka d'abord et moi tournera. Comment je me retrouve aujourd'hui en République démocratique du Congo? Comment je me retrouve? Oui, comment je me retrouve aujourd'hui en République sénatrice ou tout n'importe quoi. Comment elle se retrouve aujourd'hui afin d'y être sénatrice à comme peine à vie moko ya malam na République démocratique du Congo. Il faut tout noter. Est-ce que tant tobe ta ma solo penda te ya bana yaba na carte ya République démocratique du Congo te ba Francis Muyumba. Tant to zo bunana mobutu te ba Francis Muyumba. À s'interroger eh moko Facebook na ba WhatsApp à tout na ba réseaux sociaux tant se rebet les ma solo na bien ko le kababiso. Voilà, tout comme presque Nasuka, il y a émission Nabiso. Qu'en pensez-vous? Vous avez suivi Ndeko Nabiso, Nandenge, à Pessi Makamonyoso, Fayou Lualodi, Félix Sazo, violé au Bekaka la Constitution, à Konome Bajige, dans les cours constitutionnelles. État de droit, Ndeyango, yo Atabino Moko. Oui, état de droit, Yango, yo. Il y a quoi violer la Constitution? Dans l'état de droit, Yango, yo. Ko violer la Constitution, Mutaroui, ko ganga, ba violer la Constitution, mais attends l'article, Nino, ba violer. Fayou la lobby quand a violé la constitution, il fallait un sabiso, un article qui a violé Yango. Il fallait qu'il va procéder, il va procéder. Fayou lui c'est un blabla. D'ailleurs, il ne maîtrise même pas. J'aimerais vous le dire aujourd'hui que Fayou ne maîtrise même pas les contours constitutionnels. Il ne le maîtrise pas. Fayou, je vous le dis. Benga Fayou na débat. Bosala débat sur certains articles de la Constitution à Okokate, il ne le maîtrise pas. C'est quelqu'un qui est de trop blablabla. Il aime seulement parler pour ne rien dire, enfin. Il n'a rien dit. Il était lui-même. Il avait dit que la cour là n'était pas bonne, la cour constitutionnelle, la cour Moko est corrompue. Maintenant, le président de la République, en tant que magistrat suprême, il a fait son travail. À ça les réaménagements dans l'appareil judiciaire yambo kanabiso yamoni mabe ponani amoni mabe parce que lui travaille en complicité avec les FCC. Ils avaient leur carte au bazaki nango carte simbité nene ba mususu ba kenena ba 15 millions de dollars pour na ba pesa pe Benoît Luamba et simbité ozonga na kata mboka simbité. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Nani akenda na 15 millions pour ça Benoît Luamba na ba 15 millions de dollars pour na ba kenena pesa Benoît Luamba. En tout cas, na se pena fira nanga na kimia de na abo Congo nanga na mona ngone za okende kitoko avec Fati Beton. Makopa tu basara na mai. Oyoka iba audio te bimaki ala mer mende. Oyoka ipe yangote. Ono to luka ndeni to yiko maîtriser banani ba juge 5 juge wana ko constitutionnel. Baza ya bango. Lokola bango baza ya bango. Nenga na ebisa ki na chef de l'état, c'était une passe en or. Biloko na tango yela ksa déjà. Ba juge ya ko constitutionnel ba ko yiko za la ba individualité. Baza à l'État, baza à peuple et baza à l'autorité, moko le magistrat suprême chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que nous dit la Constitution.
Mais tant que comme les gens ont une tendance et que la tendance soit révélée, le chef de l'État, dans l'article 69, il dit qu'il est le garant de la nation, il veille au bon fonctionnement de toutes les institutions. Pour que l'institution cour constitutionnelle soit une fonction et que ça fonctionne très bien, le président doit limoger les 5 juges là. Il doit les limoger. Vous comprenez? Oui, il doit les limoger parce que nous avons des preuves qui sont là. Il doit les limoger. Comment on va dire qu'on s'en a pas juge? On pense que les jugements sont rendus au nom du président de la République pour le peuple. Qui est le président de la République? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Consultez notre constitution. Consultez notre, nomenclature judiciaire en Bocanabiso. On va vous le dire. Le président de la République doit s'en saisir na audio wana pour na ko profiter na yango et ko limoger ba juge wana nyonso le 5 juge wana. Oh baza wana pour servir Kabila. Oh baza la ki wana ba boy ko pesa raison na Bahati Lukwebu. Ba boy ko pesa raison na Jean-Marc Kaboun parce qu'il avait raison. Est-ce que Bahati Lukwebu avait aussi raison na dossier wana? Na lobi il avait raison. Mais écoutez, le ministre de l'Intérieur vient encore de le certifier. Oui. Que le parti qui est reconnu AFDC allié, Ezali Abahati Lukwebo. Ezali. Non, nous avons AFDC d'abord comme parti et AFDC a comme regroupement Abahati Lukwebo. Nalobi boye, non. AFDC allié. Wana Ezali Abahati Lukwebo. Ah bon? Ezala AFDC allié Ezali Abahati Lukwebo. Parce que le fait que le fait pour Bahati Lukwebo de dire que intérêt yambo kande mutu azali ko guider ye toyoki batu ya FCC moko balobi na ye ke Bahati azali kamelon azoko ko se positionner sika moko te bino bozo trouver ndenge nini. Non, ceux qui bango balobi na ye azali batu wana est-ce que bazulu ka intérêt ya peuple to bazo sala nini? Te ceux qui balobi na ye azali kamelon etali bango ti bango bayebi pourquoi abengani ba kamelon ne pe biso lolo to bengi batu nsu ye ntse ba kamelon pona balongo na ye ntse ba ki o sa dire na pe perdre que on peut ba kamelon. Mais c'est la raison du plus fort qui sera toujours la meilleure. Na ministre yo mutoza na raison za Bahati. Na bi Bahati luko ba na raison na. Ministre de l'intérêt c'est autre pays c'est raison. Bolo bana ngani. Bozo sala ba bozo tué po bo benda na 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 cash. Non, ezali question ko benda na cash té. Tous ont tranché de makambu. Ya question ko benda na cash té. Donc ça la vérité. Oh. Mais nalobe aza na nzela, aza na nzela, ana vérité na nzela. Wow. À propos ça qui peut dossier mon quoi il y a dialogue bato ba solo là pour na éviter ba crise au ezu za entre cash na FCC. Non, écoutez. Dossier à dialogue. Dialogue et ozala raté pour na to fond na to ça ba partage à pouvoir. Non, bilo kana so ba ozela ngwe simba raté na kata Congo le loko. Donc ba otika fatine nga bon ozala la mandat na vidé à comme na suka beti deuxième mandat na a vidé. Est-ce que vous bêta ma? Ako bêta yango. So ba mo ba za ma. Na vie a pas si oyo. Na lobby e ko bêta ma. So ba mo ba moni ba ma kasi. Mais ba beti deuxième board. So ki ba mo ba moni ba ma kasi ba beti deuxième board. Comme ça après demander Fati va récupérer board. So ba ma kasi. Merci beaucoup. Nous retenons encore le président pour un autre numéro. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers compatriotes, acceptez qu'on vous dise à très bientôt.